Bonjour, bonsoir. Voici les annonces, les causeries et mes conclusions à propos du deuil qui s'est passé cette semaine-ci, la Coupe du Monde au Cameroun, bien entendu. J'ai fait ici une liste de choses que j'aimerais adresser. Pourquoi? Parce que je suis assez perturbée et traumatisée par ce qui s'est passé, donc je peux perdre le fil des pensées, donc j'ai préféré écrire. Donc si je regarde en bas, c'est le papier que je regarde. Adressons en premier le Assou Ekoto et Mokanjo. Le métis, Assou Ekoto. C'était quoi ça? Vous êtes en plein match à la Coupe du Monde. Pour ceux qui ne savent, vous comprenez pas pourquoi je crie sur mon monde international. La terre entière vous regarde. Vous êtes au Brésil, c'est pas votre pays, c'est pas chez vous où vous pouvez faire du n'importe quoi. Vous êtes allé là-bas représenter plus de 23 millions d'êtres humains dans le Cameroun et hors du Cameroun. Vous nous avez fait un speech. Comment vous allez aller là-bas, vous allez nous représenter. Oh, la bullshit. Arrivé là-bas, vous ne pouvez pas contrôler votre tempérament. Vous n'avez pas de notion de professionnalisme. Moi, quand je te demande, Mola, ou à ceux qui te demandent l'autre que, pourquoi tu as fait le. Mais mon frère, tu ne me vois pas ici. Tu dis, ah, fous-moi le camp. Et ça devient un coup de tête. Donc, on doit commencer à bagarrer. C'est-à-dire, on vous a tellement battu que vous commencez à vous battre. Donc, comme la grand-mère, Madame Foning, a dit, la vie, c'est un bastonnage, il faut vous battre. Donc, vous allez commencer à vous bastonner sur le terrain, quoi. Quand même. Alexandre Song. Yemale, les bassins, on va encore parler. Mais en même temps, on peut toujours parler. Pourquoi? Parce que maintenant, si vous nous parlez fort, vous savez ce qu'on peut vous faire. On peut seulement vous couder. Alexandre Song poursuit le ballon. Le joueur qui l'attaque n'a pas la balle entre ses jambes, ni entre ses mains, ni sur sa tête. Tu te décides de le couder. Ok. Ensuite, tu fais une vidéo comme quoi, bonjour, bonsoir, je voudrais vraiment vous dire que je m'excuse vraiment, mais j'ai appelé mes enfants. Blablabla. Tu faisais quoi? Pour ceux qui ont vu cette vidéo et qui ont dit que vraiment, pardonnons-le, moi particulièrement, c'est mon opinion, je ne pardonne pas Alexandre Song. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment une apology, ce n'est pas vraiment. Ces excuses qu'il a présentées. Il est seulement venu faire ce que son agent ou son entraîneur ou son chef d'équipe lui a dit, gars, non, faut que tu go là-bas quand même. Tu dis, Justin, oui, wassa, wassa, pour les Camerounais, quoi. Tu vois, non, tu fais seulement beau devant le public. C'est ce qu'il est venu faire. C'est tout. Donc, particulièrement, je ne le pardonne pas. Et je connais plusieurs aussi personnes qui ne le pardonnent pas. Vous allez me dire qu'on s'en fout de toi. On s'en fout pas de moi. Je suis Camerounaise. Mon opinion compte. Ça n'a aucun sens, ce qu'il a fait. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Tout ce que je demande, c'est, en fait, si je pouvais rencontrer Alexandre, c'était de lui demander que, c'est quoi, pourquoi tu as fait ça? C'était le banga est brésilien, c'était, c'est-à-dire, les lumières t'ont tellement frappé ton cerveau à jeter l'air, like, what? C'était quoi? C'était quoi le but de ce que tu as fait? Ça t'a pris où? Ça a commencé par tes pieds, c'est monté jusqu'à la tête. Troisième truc, le coach. Le coach, là, il parle. Non, c'est vraiment une question. Tout le match, 90 minutes de match intense, on est en train de fouetter ton équipe, c'est marrant, ça. Donc, il est seulement imperturbable. C'est-à-dire, il est seulement venu remplir sa position et puis il rentre. Pourquoi on n'a pas envoyé Bankomo? Bankomo, bon, Akono, moi j'appelle Bankomo. Bankomo, il a tellement aimé le Cameroun qu'on l'a enlevé au poste, le gars à la crise cardiaque. Mais quand même, les gars. Mettez quelqu'un qui a l'amour du football, l'amour de l'équipe qui l'amène. Ne mettez pas quelqu'un qui est vraiment venu là quand on a dit petit, passe ici. Volken, Finken, Volken, je ne connais pas son nom, c'est Volkswagen, je ne sais même pas quoi son nom c'est. Il fait partie on appelle ça quoi, du bundle. Le bundle, c'est un truc qu'on met ensemble, on te donne. Du contrat de Puma. Puma a signé un contrat avec les Camerounais. Et dans le contrat, le type soumis ici. Vient avec lui. Donc, on n'a vraiment pas choisi Volken Finken Vont là. Pourquoi on n'a pas de coach camerounais? Quelqu'un qui a joué au Cameroun, dans l'équipe camerounaise, qui a même gagné une Coupe du Monde. Roger Milla. I don't know. Bankomo. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait avec le football. Qui a joué au football, qui connaît le football, qui ressent le football dans ses veines. On le met là, on dit petit. Amène-nous loin. Soyez honnête. Je ne pensais pas
très honnêtement que le Cameroun remporterait la Coupe du Monde non plus. Mais quand même, premier cas, mon type, on nous a renvoyé au pays. On négociait 15 jours au Brésil. On t'a encore quoi. Parlons des primes. Les gens qui disent qu'ils doivent rembourser les primes. Vous êtes tarés. Certes, ils n'ont pas gagné le match. Certes, ils n'ont pas gagné la coupe. Si tu as un gardien chez toi, tu le payes parce qu'il attrape le bandit ou tu le payes parce qu'il se met devant ta maison. Le job d'un footballeur, c'est d'aller là-bas. Le fait qu'ils sont allés là-bas, on signe le chèque. Il n'y a pas de raison qu'on vous dise que rembourser le chèque. On n'aurait pas dû vous donner le chèque. Non. Il ne faut pas aussi prendre de l'eau et les patates, vous mélanger. Non, il ne faut pas mélanger les chiffons et les mouchoirs. Les Camerounais, l'équipe nationale a droit à leur argent avant de quitter le Cameroun. Ce n'est pas quand vous allez là-bas, vous allez marquer les buts et on va vous payer. Non, on vous paye parce que vous portez déjà le maillot. Ça leur revient de droit. Donc arrêtez vos trucs là qu'on interviewe dans les bars et disent que « Il doit rembourser à qui ?» Ça vaut qu'on va rembourser ça. À quitter là-bas. C'est l'argent. Parlons du grand Pichichi. Bon, le Pichichi a joué premier. Déjà, quand j'ai vu le Pichichi, premier match, je me suis demandé, gardien, c'est la nourriture du Brésil. Le gars était gros comme un éléphant. J'ai cru qu'il venait de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un est gros comme ça, un athlète, comment est-ce qu'on espère que le moulin peut courir? À l'époque, quand le gars jouait à Barcelone, merde, le gars était comme la fusée. Il jouait comme Benjamin dans manga. Il pouvait tirer le ballon, il lance ça là-bas, il fait la pirouette, il fait la banane, il fait le crochet. Mais il ne peut plus. Ce n'est, je ne sais pas si c'est l'âge, mais le poids, l'âge, son arrogance, tout ça, ça commence à peser sur le type. C'est pour ça que son genou s'est cassé. Disons que son genou s'est cassé parce que jusque-là, je n'ai pas encore de confirmation. J'ai appelé là-bas, mais la réception ne décroche pas. En tout cas, disons qu'il s'est cassé le pied. Il s'est fait mal au genou, il s'est fait mal à la patte ou il s'est fait mal où là. C'est parce qu'il n'était pas apte à jouer. Il n'était pas apte, ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus courir, mais tu es gros. Tu te croyais que tu es arrivé. Tu as dit, tu n'es pas là pour juger son arrière parce que, ouais, on est là en Coupe du Monde, Moula, yes, si nous. Parlant d'aller en Coupe du Monde, le football au Cameroun n'est plus un acte de patriotisme en fait. Hein. Il y a les gens qui partaient jouer au football parce que, damn, ils aimaient franchement le football. Ils aimaient représenter le football. Ils aimaient représenter le football camerounais. Aujourd'hui, les gens veulent seulement se faire voir. Ils sont stars dans les Marseille, l'Angleterre, la Russie, la France. Arrive, oui, wesh, on nettoie les épaules là-bas. Arrivez ici, ils sont vraiment... On vient encore jouer pour le Cameroun, même pourquoi non? Galon, on nous envoie. Aucun de ces macabos et macarons là n'est allé jouer parce que ils avaient vraiment l'amour du football camerounais. Les métis là, Assou Ekoto, Choupo-Moting, Matip, tous ces gens là, ils ont seulement parti soc-soc parce qu'on a dit de partir et puis il y a 45 millions à manger. Aucun d'entre eux n'est parti parce que, well, petit, représente l'Afrique. Non! Ils sont passés là pour se faire voir. Point barre. Voilà mon opinion. La discrimination des bons joueurs. La Côte d'Ivoire a fait ce que nous devions faire. C'est-à-dire, Drogba est déjà âgé. On sait qu'il ne peut plus courir qu'à 90 minutes. Donc, mettez-le à un certain niveau où le gars va en répapap. Il fait ce qu'il a à faire. Comment? Non. Nous, on a pris les gens qui sont de renommée. Samuel Eto'o. Alexandre Song. On est venu lancer sur le football. Bon, jouer. Le gars ne peut pas courir 30, 45 minutes. Mon frère, les gars voulaient maintenant jouer avec les mains parce que les pieds ne marchaient plus. Mettez les gens qui sont aptes à jouer, pas les gens qui ont un nom qui fait crier le Cameroun. Non. Ces gens-là partent là-bas dehors, ils jouent pour la Russie et puis on fait l'interview. Je représente le Cameroun, je suis un enfant du Cameroun, je suis un commando. Ah, va là-bas. Voilà, pas avec ça. Vous exagérez avec vos choses là. Donc, cette discrimination qu'on ne prend pas les bons joueurs, on prend plutôt les bons, les stars. C'est comme sur le football. Voilà ce qui arrive. Je tiens à féliciter les Camerounais. Parce que le support camerounais est quelque chose que, franchement, on a supporté notre équipe, mon frère. Les Blancs sont que mon pays, ils ont sorti des chansons. Le pays est sucré. Allez, les lions. Tout ça, quoi. Donc, on a vraiment supporté le Cameroun. On a été déçus.
Mais on a fait notre job en tant que Camerounais. On a supporté le Cameroun jusqu'à la gare. Beaucoup d'histoires, ça dit, on prend l'histoire de Nathalie Kongolo, quoi, Kunana, je sais pas comment ça s'appelle, la fille Nathalie, là, la mère, la professionnelle mangeuse d'argent, et Samuel Eto'o, on vient mettre ça dans la Coupe du Monde. S'il vous plaît, encore, ne mélangez pas les chiffons et les mouchoirs. Sa vie sexuelle n'a rien à foutre avec la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il y a avec les gens? Pourquoi les Camerounais étaient comme ça? Vraiment, il n'a pas bien joué comme ça parce que Nathalie, ça a quoi à foutre? Nathalie arrêtait ses pieds. Nathalie était là-bas où elle le menaçait dans les vestiaires. Nathalie, quoi là? N'a rien à foutre avec la Coupe du Monde. Arrêtez aussi de buzzer les gens avec des bêtises. Si c'est vrai ou si c'est pas vrai, quand le Moro va rentrer au Cameroun, on va adresser ça. Entre-temps, parenthèse, il est en Coupe du Monde. Il est au Brésil. Occupons-nous de ce qu'il est supposé faire au Brésil. Parce qu'il a laissé au Cameroun. Mais dis donc, Nahoudis. En conclusion, je pense que le premier match était assez bien. On s'est battu. On était vaillant. On a fait ce qu'on devait faire. Il y a des petites erreurs du genre, on a mis tout après tout le match et pourtant on devait le mettre à un petit moment. Salut à Stéphane Bialoga à jouer. Salut à Webo, comme les gens le détestent là. Mais salut, il est entré là, couru comme un poursuiveur des vaches. Le gars a couru comme un taureau, mon frère. S'il était là à partir du début du match, les choses seront différentes. Salut à Nunke. Salut à Aboubacar Vincent. Salut le Ikanje. Dieu te voit. Dieu t'a vu. Tout ce que je peux te dire, Dieu te voit. Le deuxième match, Dieu seul sait ce qu'on faisait là-bas. Alexandre Sorn, Samuel Eto'o, Moukandjo et Assou Ekotto. Donc, vous quatre là, on doit vous mettre dans une boîte. On vous envoie ici chez moi. J'ai votre traitement très près ici. Donc, voilà mes conclusions, voilà mes pronostics, voilà mes ce que je pense de la Coupe du Monde. Je pense que. Honnêtement, on est allé là-bas aussi parce qu'on voulait aussi animer la galerie. On avait vraiment rien à foutre là-bas. Je pense que pas l'année prochaine, la fois prochaine, n'allons pas là-bas. On n'est pas prêt, on n'a pas le niveau de la Coupe du Monde. On n'a vraiment pas ni le niveau, ni la technique, ni le mental, ni le physique de la Coupe du Monde. On a le mental, le physique et tout ça de la CAN. Coupe d'Afrique des Nations, restons là, on joue ça, on gagne. Ouais, Wombo, c'est bon. C'est là où notre niveau s'arrête. Il faut savoir où ton niveau est. Arrêtez de pousser plus que vous ne pouvez. Donc, je suis camerounaise. Les Camerounais qui disent que vraiment, j'ai honte d'être camerounais. Vos grands-mères, franchement, vos grands-mères, pima. Tu as honte d'être camerounais. Nous, on a honte que tu sois camerounais. Ceux qui commencent à dire que je vais revoir rien. Hey, respectez-vous. Hein. Respectez-vous. Il y a quelques temps ici, la Côte d'Ivoire avait la guerre. Je n'ai vu aucun Camerounais porter le maillot ivoirien pour partir en Côte d'Ivoire. Vous m'avez tabassé ici, menacé sur Internet parce que je fais l'accent ivoirien. Tout à coup, vous voilà versé waouh chez les Ivoiriens, non? La honte. La honte, c'est pas seulement les chiens qui n'ont pas ça. C'est aussi les gens comme vous, quoi. Donc, voilà ce que j'ai pensé de la Coupe du Monde. Voir comment je me sens. J'ai fait mon deuil. On va faire la veille. La mise en bière va arriver. On va faire ce qu'on va faire. On doit punir sévèrement Alexandre. C'est ce que moi j'ai dit. Je suis bazar. C'est mon vrai bazar. On doit le punir sévèrement. Je ne sais pas quelle est sa punition. J'ai ma punition pour lui. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire pour lui. Mais il doit être puni. Bon entendeur, saluez-vous.